Dans les bars de Lagos, capitale économique du Nigeria, les fans de foot sont au rendez-vous et ils sont confiants, très confiants même. Pour eux, c'est certain, leur équipe va remporter la CAN 2010. Je crois aux Super Eagles, nous allons gagner. Ils sont bons, mais c'est pas bon, c'est vraiment bon. Benga se prépare depuis plusieurs jours à soutenir son équipe. Il a déjà prévenu son entourage. Lors des matchs du Nigeria, il sera devant son écran de télé, qu'il se trouve au travail ou à la maison. Et pour l'occasion, il a même acheté un maillot. Je l'ai acheté pour moi, juste pour montrer mon soutien à mon pays. À chaque fois qu'ils joueront, je le porterai. Dans le quartier Yaba, on se retrouve tous les jours sur Iwan Square pour taper dans le ballon. Au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, le foot est le sport roi. Vous voyez, moi, même à mon âge, je suis encore footballeur. D'ailleurs, tous les gens que vous avez vus ici sont des footballeurs. Dès l'enfance, on joue au foot au Nigeria. Le foot, ça donne le sourire au Nigeria. Quand vous avez le foot, vous avez tout. Les Super Eagles n'ont pas remporté la CAN depuis 1994, mais ils promettent à leurs supporters de se rattraper cette année. Les supporters dont la ferveur devrait aller crescendo jusqu'au Mondial en juin prochain. Le Nigeria, qui n'avait pas participé à la Coupe du Monde en 2006, a décroché de justesse son billet pour l'Afrique du Sud.